OK, première loi, la guerre commence aujourd'hui. Pape-Nic, à l'école, recommence. C'est un pari risqué d'adapter un classique du cinéma québécois qui a marqué toute une génération, notamment avec cette réplique mythique. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Et c'est réussi. La guerre des tubes 3D actualise, sans dénaturer, l'histoire de cette bande d'amis qui font la guerre pour tromper l'ennui des vacances d'hiver. Je pensais que vous aviez gagné. La nouvelle mouture respecte le film culte sorti en 1984 dans la foulée des Contes pour tous de Roch de Mers. Réalisé par André Melançon, le film original avait été distribué dans plus de 125 pays et avait connu un succès monstre. La version 2015 se donne le même mandat, rejoindre les jeunes en faisant écho à leurs préoccupations, dont l'amitié, la rivalité, l'honneur et le deuil. En formule d'animation, l'histoire est forcément moins réaliste, mais beaucoup plus spectaculaire. Les batailles, le fort et les décors sont plus impressionnants que jamais. Les personnages sont quant à eux plus caricaturaux, mais suffisamment attachants pour livrer quelques moments d'émotion. Et c'est une valeur ajoutée d'avoir invité des vedettes québécoises à prêter leur voix aux personnages. Marie-Lou Wolfe est particulièrement efficace dans le rôle de Sophie. Oh oui, tu es beau, chien. Il s'appelle comment? Cléo. Tout comme Nicolas Savard-Lherbier dans celui du général. J'ai pas le goût de me servir de mon clairon pour une bataille de boules de neige. C'est sans compter les voix de Sophie Cadieux, d'Hélène Bourgeois-Leclerc et d'André Sauvé. Puis moi, je suis tannée de monter à la garde. Il y a rien à surveiller à part lui. Une mention toute spéciale aussi pour la trame sonore qui met en valeur de nombreux artistes québécois. Le film réunit non seulement ce qui est populaire, mais aussi ce qui se fait de meilleur. On a tous besoin d'une trêve. Sans réussir à rivaliser avec le niveau de virtuosité des studios américains, cette production québécoise tire son épingle du jeu. La guerre des tubes 3D fait revivre la nostalgie d'autrefois, tout en amusant les enfants.